soyez néophyte de l'arrière-pays ou que vous ayez déjà de l'expérience en terrain avalancheux, c'est une excellente idée d'acquérir les connaissances afin de devenir plus autonome et plus sécuritaire lors de vos sorties en montagne. Il existe différentes façons de s'éduquer, que ce soit de manière autodidacte ou en s'inscrivant à un cours offert par le programme d'Avalanche Canada. Le cursus de cours de niveau récréatif se divise en quatre. Le cours de sécurité en avalanche niveau 1, donc le CSA 1, le cours de sauvetage autonome, le cours de gestion en terrain avalancheux, ainsi que le CSA 2. Le CSA 1, c'est la place pour commencer. Ce cours de deux jours vous permettra d'apprendre les notions de base sur les avalanches. Vous apprendrez également à bien lire un bulletin d'avalanche, ainsi que d'effectuer un sauvetage autonome efficace. Le cours de sauvetage autonome, d'une durée d'un jour, met l'emphase sur la recherche de sauvetage seulement. Vous pouvez refaire ce cours plus souvent qu'autrement, car il s'agit d'une excellente façon de se pratiquer en compagnie d'un professionnel. Le cours de gestion en terrain avalancheux fait le pont entre le CSA 1 et le CSA 2. Si vous êtes un peu coincé dans votre horaire, ce cours de seulement une journée est consacré à 100% à améliorer vos connaissances de déplacement en terrain avalancheux. Si vous avez déjà fait le CSA 1 et que vous passez beaucoup de temps dans l'arrière-pays, le CSA 2, d'une durée de 4 jours, est parfait pour vous. Vous allez approfondir considérablement vos connaissances et habiletés et allez devenir autonome dans l'arrière-pays. Vous trouverez l'ensemble des cours offerts dans l'Est du Canada sur le site web d'Avalanche Québec dans la section Éducation. Si vous décidez d'apprendre par vous-même, nous recommandons les livres en vente sur notre boutique en ligne. Avec la bonne éducation, le bon équipement et la bonne information, vous êtes prêt à partir en montagne.